Bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, tout simple, j'ai fait une petite vidéo comme ça, un peu rapide, pour vous dire que je ne suis pas là. Donc je vais faire un petit live, je vous préviens, je vais faire un petit live tout à l'heure à Paris, dans pas longtemps, en gros à 16h30. Il y aura un live, mais bien sûr, entre deux, je vais utiliser ma caméra que j'emmène. Je vais aller au Champs-Élysées, je vais filmer quelque chose, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer quelque chose qui me plaît beaucoup au Champs-Élysées. On se dit l'avenue la plus belle au monde. Et ben je vais vous montrer la plus moche au monde plutôt. Un désarroi total que moi j'ai bien connu des Champs-Élysées sans ce genre de conneries. Et je vais vous le montrer, je m'en fous, je casserai les couilles à ces gens-là. Parce que je suis contre ces gens bizarres qui sont sur le trottoir, étalés par terre. Et je ne parle pas des clochards, attention, je parle bien des gens bizarres. Et vous allez voir, cette vidéo, elle sera diffusée le lendemain. Ou ce soir, mais elle sera diffusée pour vous le lendemain, le temps de téléchargement. Elle sera très longue. Il y aura DJ Nono avec moi, donc Olivier, il sera avec moi. Moi, qui tiendra la caméra de temps en temps. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je ne prends pas les pieds, mais je vais m'en occuper. Vous allez voir, je vais vous faire montrer la truc. Samedi prochain, je vais vous montrer à la Gare du Nord, car j'y serai, à la Gare du Nord, samedi prochain, vers 13-14 heures, on sera là-bas. On va tourner une vidéo là-bas. On va vous montrer la réalité de ceux qui font du MMA. On va voir qui fait du MMA ou du Mito Toto. C'est clair? Je serai en vidéo, pas en direct, parce que je ne pourrai pas faire le direct avec la caméra, mais par contre, avec mon portable, je vais faire un peu du direct, et après, bien sûr, le direct ne va pas durer longtemps, il va durer en tout cas 5 petites minutes, d'accord? Ça va un direct très très court, parce que l'autonomie de la batterie, ça se joue. Donc je vais vous montrer tout, vous faire vous présenter beaucoup de choses qui va vous faire un peu désarroi des gens qui écrivent n'importe quoi et qui se disent plus haut qu'une personne qui ne l'est pas. Donc je vais vous montrer ce que c'est du MMA. Je pratique du MMA depuis 13 ans. Voilà, je pratique du MMA. Moi aussi j'en pratique, bien sûr. Du MMA, zéro tracas, zéro blabla. Je vous assure que MMA, zéro tracas, zéro blabla. Voilà ce que je veux penser de vous. Donc, pour ceux-là qui écriront, qui feront des pompes au milieu des rails, je lui dirais, franchement, tu pourras faire les pompes quand il y aura un TGV qui va t'écraser. Ça me fait rire. Mais bien sûr, faut arrêter vos conneries, vous allez voir que la réalité. Vous avez intérêt d'être là. Vous avez intérêt d'être là, messieurs, dames. En même temps, vous aurez une surprise. Je vais vous montrer qui je suis. Parce que j'en ai un peu, honnêtement, ras-le-bol. Casse-pied, vous emmerdez Kirby, vous emmerdez moi, vous emmerdez le mec des 78, vous emmerdez... comment il s'appelle? Vous emmerdez le pauvre handicapé qui était en fauteuil roulant, pareil. Vous emmerdez aussi, mets-toi comme ça, espèce de con de micro, hein. Vous emmerdez aussi un pauvre monsieur qui a un pauvre jeune homme qui a disparu. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des inférieurs à côté de tout cela. Tout simplement, je vais vous faire montrer qu'un handicapé est un nul de combat. Ceinture noire, 5e dan de karaté. Je fais du MMA pendant 13 ans.
du MMA, 100%, zéro tracas, zéro blabla. Donc, je vais vous chercher ce que c'est votre MMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire montrer. Vous me faites rire avec votre MMA et je vais vous faire montrer que ça ne s'appelle vraiment pas comme ça. J'arrive tout de suite. Je cherche à tourner son dos. Là-bas, dis donc, le chien est soulagé. Alors voilà, désolé. Tout simple, désolé. Je n'ai pas trouvé mon jeu vidéo. Mais quand je le retrouverai, je vais faire une vidéo et je vais vous faire montrer votre MMA ridicule. Voilà. Bref, désolé, désolé, désolé pour ça. Parce que j'aime bien montrer les choses convenablement. D'accord. Bon, allez, je vous remercie les... Alors, à la gare Montparnasse, non, la gare du Nord, samedi prochain, mes enfants, vous allez voir. Et croyez-moi que Kirby et tout ça sera content. Vous allez voir. Merci!